Kesako? Penalty! Bien sûr! Allez, let's go! Oh putain, Carlos César! Oh là là! Carlos César, je l'ai mis comme surnom Doc. Doc, c'est le motto de ma chaîne. Il a voulu que je lui mette le surnom Doc. Et vous pouvez voir que ça va être une légende, je pense. Oh, j'ai pas envie de voir ce penalty! Non, le penalty! 94 ème minute! Allez! Allez Allez Allez, s'il te plaît, Carlos César S'il te plaît Oh, l'égalisation, putain Voilà Allez, allez Allez <laughs> C'était le premier but de notre club en première division. Il nous a marqué tout de suite un but après 20 minutes de jeu. Il a fait trembler les filets et on était bien contents. Le temps de jeu. L'impact du... du temps de jeu d'un joueur. Le ballon d'or a encore frappé. Let's go. Ah Crucifié Il faut qu'on marque là-dessus. Il faut qu'on marque là-dessus. Il faut qu'on marque. Allez, marque oh, Quel but extraordinaire! Ce joueur est unique. Ok, gardien. Tac. Sur l'aile. On vient derrière. Tac. Oh là là Pouf. Oh l'accélération là elle est magique Aldaya Victor Chaos César Une mais bien sûr dans les grands matchs, les grands joueurs On va mettre le quatrième, allez doc Tranquille, tranquille, voilà, bien joué Bien joué Soirée, soirée Un bien. dernier éclair, un dernier éclair. Ça fait plaisir! Merci César, notre sauveur à tous. Eh bien, bonjour, bande de chic malette la ça va, merci infiniment, c'est ce que tu en fait. Merci infiniment, c'est ce que tu bah en fait. Ça fait plaisir en fait. Pour le resub. Ah mais c'est pas FM25, eh Non, pas encore. Malheureusement, pas encore. Malheureusement non. Putain, j'ai deux qui vient de se blesser 4-5 semaines là. Ça tire ses couilles. Retour prévu dans 3-5 semaines. Et chier. Euh, du coup, là, je vais simuler. C'est... Euh... Je vais simuler là. On va avancer jusqu'au New Gen, hein, les gars. On est déjà champion et tout. Hein. Les gars, si on a une, euh, une fournée de New Gen qui est dégueulasse, le live va s'arrêter très vite. Hein. Voilà. Pas faire vous le dire. Ça va être un tout petit live, hein, ça se trouve. Parce qu'en fait, là, ce qu'on veut, c'est les New Gen, quoi. Parce que là, bon, on est champion. On n'a plus de coupe à jouer. Bon, voilà. Hein. Avec te dire, au bout d'un moment, euh, voilà, quoi. non mais c'est vrai. Euh, donc, euh, bon, on verra bien, mais euh, il, nous faut, il nous faut des bons new gen, quoi. Sachant qu'il y a 5 étoiles, quand même, qui a annoncé là, avec de meilleurs joueurs dans mon équipe par rapport à l'année dernière. Aurais-tu une solution pour vendre sur console euh... C'est catastrophique, il y a zéro. Je ne sais pas comment ça se passe sur console, donc euh, je ne peux pas te dire. Je ne saurais pas te dire. Sur console, je ne saurais pas te dire. Sur PC, oui, mais sur console, non, yep, mais bon, monsieur, salut ah, Lolo, ça va quoi? Bonjour, coach, euh, champion et tout ça, ça pas new gen. Ah, ouais, là, là, on veut les new gen, là. Hein. Donc, là, de toute façon, les gars, il n'y a même pas de match entre les new gen, là. Regardez, ça, je vais mettre un match amical quand même. Je vais en mettre un là, histoire que les mecs, euh, voilà, quoi. Ça, merci, et toi, bah, écoute, ça va plutôt bien. Hein. Ça va plutôt bien, on a du pognon, euh, on a tout ce qu'il faut là. Là, on a tout qui va bien là. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des bons New -gen, ou pas C'est ça la vraie question. Je pense que c'est la troisième fournée, ça va être nul, moi je pense. Moi je pense que ça va être dégueulasse. Il va y avoir deux bons joueurs, je pense. Ah, je sais pas en vrai. Hein. J'y crois pas moi au deuxième 5 étoiles d'affilée, j'y crois pas. C'est la quatrième, non? oui, euh, euh... Ah, c'est peut-être bien la quatrième. T'as peut-être bien raison, Doc. La première, on en a eu deux à 20-20, ouais, si t'as raison, je crois. Je crois que tu as raison, euh, docteur Dimitrius. Ça va bien avoir euh, 15 millions sur mon compte. Ah, pareil, hein, j'aimerais bien en hein. tirer. J'aimerais bien, franchement. Franchement, j'aimerais bien. Mmh. Ouais, hier, euh, Doc, euh, Lyon, il euh, a rien qui va. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là, sans déconner Ils ont eu un nombre d'occasions terribles. Hein. 15 millions d'euros, pas de groupe, je précise. Ouais, pareil, hein, j'aimerais bien avoir 15 millions d'euros sur mon compte. Hein. Je ne serais pas contre. Hein. Et d'ailleurs, le club, il a toujours pas monté de réputation avec le choix champion. C'est chiant, ça. C'est vraiment de la merde. 150 000 euros, 1,5 million. On n'est pas contre. Ah, c'est vrai, je pourrais payer ma maison de cash. On paierait la maison de cash avec ma femme et on n'aurait pas de loyer. Et après, on n'aurait que de l'argent de poche, en fait. Tu une vie sans payer de loyer La dinguerie. Comment tu te mets trop bien, en vrai. Sans regarder ton compte en banque. Ouais, c'est ça. Combien il me reste, là Ah, merde, putain. Fais chier, on n'est que le premier du mois. <laughs> tu vas faire tes courses, tu prends tout, euh, Nick. Ouais, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Tu hein. vas faire les courses, tu prends absolument tout. Hein. Bon les gars, si on a des bons new gen, on les fait jouer pour la fin de saison et on essaye de faire en sorte euh, de les développer. On verra. En vrai, avec 1,5 million, j'arrête de travailler direct. Bah, en vrai, euh, bah moi je continue de faire des lives, quoi. C'est bon, ça mon taf, mais. Pourquoi il... il. me fait un truc sur lui, j'en ai rien à foutre. Du coup, il était chez moi avant. Bah Mislo aussi, mais pourquoi ils me font des... des... C'est quoi ça? J'ai un pote qui a gagné euh, à l'euro mûr 1 million. Ah, mais 1 million? Mais non, mais. 1 euh... million 5 qui nique au de suite sur YouTube. Moi, je pense. Ouais. Non, mais en vrai, il a gagné le MyMillion. Ah, ok. Ah, je connais rien, moi. Je suis pas... C'est plus ton pote qu'avant ou pas Parce que moi je pense, j'ai un pote qui gagne un million, c'est plus mon pote qu'avant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Je pense c'est encore plus mon pote, tu vois. <laughs> en tout cas de mon côté, du sien peut-être pas, mais de mon côté c'est encore plus mon pote qu'avant. Là, <laughs> ça devient mon frère, bien sûr. Bah bien sûr. S'il a besoin de quoi que ce soit, euh, compte en rétribution d'argent, bien sûr, hein, il m'appelle. Ouh, oh, dis donc, toi! Il est bon, là, euh, Sapristi Saucis, là? Ah, mais c'est un Biélorusse, lui? C'est ça le truc? Ah non, c'est quoi ça? Ah, si, c'est ça. Wesh, ah, il est bon, Pépère. Je sais qu'il a pas dit à tous ses amis. Ah oui, ok. Un pote du lycée, on n'habite pas dans la même ville. Ok, ok. Après, je pense que tu regagnes un million. Mes potes, c'est moins mes potes qu'avant. Et si je gagne un million, j'ai moins de potes qu'avant, c'est vrai. Je pense aussi. Là, tu me diras, oh, j'en ai pas beaucoup, les potes. Surtout si je gagne un million, je m'éloigne de Vieux Lardon. T'es là, Vieux Lardon ou pas <laughs> Il n'est pas là. Merde. Je pense que c'est surtout ça en vrai. Je m'éloigne fortement du monsieur. Tu vas te retrouver à payer 8 tournées par soir. Ouais, ça va être ça. Non, en vrai, en vrai les gars, moi, si, 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 je pense que si j'y gagne, je serais beaucoup trop généreux. <laughs> je pense que je serais complètement cinglé. Surtout euh, si je sors, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il si Il débute sa formation. Bah, C'est très bien. Ça. Ah, tiens, d'ailleurs, toi, tu veux pas faire une formation. Et toi Lui, on va l'envoyer un stage de format. Lui aussi. Mmh. Je peux acheter le logiciel de triche de Alex JV. Ouais c'est ça. C'est 7 euros sur fnr 2com <laughs> mmh. ah, Mais lui il fait chier à être mécontent là. Je vais le perdre, hein, je pense. Kini deviendra le nouveau Verratti. Quoi, Verratti, il balance du fric comme ça ou quoi Si je gagne un million, je serais content d'avoir un million cinq euros sur mon compte. <laughs> mmh. Mmh. Euh, un petit tour du monde en mode euh, en mode backpacker. Euh... Pendant quelques années, je serai heureux. Ouais, franchement, je pense qu'on ferait un peu de voyage quand même avec ma femme. Ça ah, et lui, il progresse bien quand même. Hein. Il est bon. Hein. Finir par le mettre titulaire. Hein. Je vais vendre le, le mec, hein, je pense. Je verrai ah bien. Je vais peut-être essayer de vendre jean pépère hein. bourgeois, 504 euros. Ah ouais, imagines, il a 500 balles sur son compte euh, maintenant, quoi. Dinguerie. En vrai, dinguerie, hein. Attendez voir, ce que là, du coup, j'ai quand même pas mal de retours. Hop. Ah, merde. Hey, c'est vrai qu'avec JV, faut qu il faut qu'il joue. Avec JV, le résistant, l'imperturbable. Euh... Je dis un nombre au pif. Ouais, c'est ça, ouais. Espèce de riche. Ah bah, Rodrigobert, il vient de se blesser. 3-4 semaines. Putain, mais une cheville tordue, 3-4 semaines, Mais frérot, Mais normalement, au bout d'une semaine, tu galopes. Bon les gars ça y est hein, on approche des new gen là. Donc, je vais faire un truc new gen d'ailleurs. New Giants. Tu es tordu, c'est 5 jours euh, dans la glace et tu rends pas fou. Bah, attends, c'est 3-4 semaines, hein, frérot, Au bout moment, faut arrêter. Hein. Et s'il a pas de soin d'un kiné, c'est 3-7 semaines, tu C'est quoi ce délire peut-être que je change mes kinés, moi. J'avais eu le temps de venir sur un live, donc euh, je suis tes aventures sur YouTube. Du coup, je découvre que tu as bien avancé depuis la dernière vidéo. Bah, en fait, sur YouTube, euh, vous êtes toujours très en retard. Hein. C'est normal parce que, en gros, tu vois, dans un live, bah, je peux faire euh, des fois trois vidéos, quatre vidéos, tu vois. J'ai encore effacé, ma solo. Non, mais c'est bon. J'ai fait une copie. J'ai fait une copie juste avant le live. Oh la dinguerie Non mais j'ai fait une copie, j'ai fait une copie Calme-toi, j'ai fait une copie Attends, je vais rester sur celle-là, putain oh, Putain, heureusement que j'ai fait la copie <laughs> Heureusement que j'ai pensé Putain mais quel con Tu <laughs> vraiment là, oublié. Pas avec tous les récents. Comment ça La copie ne fonctionne plus, elle est corrompue. Bon, après, ça va, j'avais fait que deux saisons. Caldo, il progresse aussi, hein. Ah, je crée un fichier pentagone, ouais, c'est pas con. Quel jour le spawn Le 5 ou le 6 Ah non. C'est quoi ton skin Point d'exclamation skin. Et il a été euh, rechangé encore par un viewer aussi. Qui m'a rechangé encore un truc dedans pour les entraînements. Et c'est ce skin-là, là. là. Pas de pré-shot, les gars, sur les New Gen. Hein. Commencez pas. Hein. Tant qu'on ne voit pas le message dans la boîte de réception, pas forcément que je suis dessus, mais tant qu'on ne voit pas le message, pas de pré-shot. Hein. Enfin, un CM dans mes leaders d'équipe, je vais pouvoir encadrer tous ces joueurs et en faire des CM à l'appel. Voilà, c'est ça que c'est bon. Bon, c'est tout le monde. Salut, Lucio, ça va avec toi C'est le 12, les gars, vous inquiétez pas. Ouais, ouais c'est le 12, les mecs. On n'a pas les jeunes pousses. Ah, voilà, Ménipis. Voilà. Voilà, Ménipis pas remboursé. Voilà, Ménipis. Eh, hey, Alex, t'as vu Comment ça donner un truc hein, là Tu peux rejouer hein, Menipis, mais tu ne seras pas remboursé. En plus, Menipis, c'est complètement con. Hein. Parce que je crois que ton joueur, il est en train de progresser de zinzin. Alors. Voilà. Ça, c'est ton joueur. Hein. Je sais pas pourquoi tu veux changer, Menipis, mais bon. Regarde ça. En plus, il est gaucher, mais je, lui, je, je pense l'année prochaine, je vais le garder en vrai. Je vais le mettre dans la rota. Hein. Il a 17 piges. Je... Ou alors, je continue de le prêter, peut-être. En vrai, il est trop fort. Hein. Il a du dribble, il a vitesse, accélération, il manque d'agilité, c'est tout. Mais en vrai, euh... Putain, il est vraiment bon, lui. Hein. Carton jaune, Ménipis, ouais. Après, si Ménipis, tu veux jouer, tu peux, mais bon. Jeune pouce Oula 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 oula, oula 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 Il y a dû une étoile et demie, là Il y a un buteur Il y a deux... Il y a trois une étoile et demie Filou, tu veux qui Ah oh, c'est bien, il n'y en a pas beaucoup là. Alors, petit fidou, il veut Ikeda. Euh, on va mettre... Euh, je sais pas si ça va passer. Piti Fidou. Attends, je regarde s'il n'y a pas mon fiston. Oh putain, j'ai cru que lui c'était mon fils. <laughs> Kinoshita. Il ah, n'y a pas mon fils. Enfin, J'aurais jamais mon fils, moi, dans le jeu. Ensuite, euh, Ben Swift. Donc, tu pourras accepter au fur et à mesure. Ben Swift Tu veux qui euh, Ben Swift. Le meilleur c'est le 6, logiquement. Ah, Je sais pas en vrai. L'attaquant, j'y crois. J'y crois à l'attaquant. J'y crois à l'attaquant d'un mètre 80. Là. En ouais, non, il peut être lié et tout. Ça va être un petit, petit dribbleur. Après, regarde, attaquant avancé. Hein. Son meilleur poste, hein. Il doit aller vite, lui. Hein. Il n'a pas genre renardé surface. Ensuite, euh, c'est qui après C'est euh, Lolo. Lolo, qui est-ce que tu veux, Lolo Chose te plaît. Euh... Attends, j'ai pas compris. C'est qui ça Ah oui, lui. Le défenseur central. Ok. Euh... Lolo, pas. Lolo... Ça. ça passe, hein Si jamais tu veux, ça passe. Comme tu veux. On est bien 13 de la fin. Super, ok, bon, ça passe. Ensuite, c'est qui C'est Zorion. Zorion, tu veux qui Salut Nicolas. Ah oui, un zéro, n'oublie pas. Ça, ça qui Ok. Pardon, j'avais pas vu. Euh... Zori. <laughs> Regarde, ça passe comme ça. C'est un zéro. bon là, c'est un zéro. <laughs> euh... Ensuite, c'est qui, Nicolas Tu veux qui Après, en dessous, je pense. Voilà, en dessous, c'est chaud. Mais je pense qu'il vaut mieux choisir parmi ceux-là. Là. Sachant que Lolo est déjà pris parmi ceux-là. Euh, je suis le pauvre, je le veux. Alors, euh, lui, ok. Donc, ça, c'est pour Nicolas. <laughs> Hop, Ok. Euh, c'est bon, il n'y en a pas d'autres. Du coup, on va commencer tout en bas. Et puis on fera les 4 euh, qui ont leur euh, enfin les cinq qui ont leur sur nous en dernier. On commencera par Nicolas, ensuite Lolo, ensuite lui. Personne d'autre pour un joueur. Ah, écoute, hein, c'est tout, on verra. Hein. Alors chaud Tabata. Nul sur 20 Nul sur 20 en vrai, putain, mentalement, il est vraiment catastrophique. Lui, il est catastrophique mentalement. On va lui faire un contrat, mais vraiment, c'est par dépit. Tu veux qui, Lucio Où vous aurez pu avoir celui-là? Ouais, bah, ouais. Ouais, euh, Mara. Ok. Alors, Lucio. Lucio. Ok. Alors, ensuite. Ensuite, Yamamoto. Gardien de but, forte personnalité. Dégueulasse, nul sur 20. Bien sûr, il fait 1m96. Ça y ça est, Non, mais Cyker. Siker, vraiment, Siker. En vrai, il n'est pas dégueulasse, mais non, en vrai, il a un beau bon profil. Mais, euh... mais par contre, fort perso quoi. C'est pas grave, on va le garder chez les jeunes. Il va faire son contrat jeune et puis dans trois ans, il se barre. <coughs> J'espère être aussi bon que le Nugent que j'ai mis sur ton Discord. Putain, c'est toi qui as mis ça. Voilà, dinguerie. Oh, qui est tellement fort. Attends, on parle bien du même là Ah, c'est lui, ouais. Ah, ouais, putain. Wow, il est tellement fort, laisse tomber. Il peut limiter être titu l'année prochaine. Non, mais attends, il y a pas de. Il peut limiter être C'est, Il est titu, en fait, tout de suite. Dès que tu peux. Il est titulaire, t'es fou, quoi. Un mec comme ça veut te faire jouer. Il est trop fort. Ensuite, Keita euh, Yokoyama. Pep d'Eter. En vrai, il a au moins il, va, il, il a déjà un petit physique, quoi. Après, il est, il est dégueu mais. Il a déjà un petit physique. Bon, c'est quand même pas la fiesta Brigitte, mais bon. Par contre, hey, c'est promotion 5 étoiles. Au fait, je viens de voir ça. Là. Je n'avais pas vu. Hein. Ça, c'est dingue. Hein. On va faire lui après. Là, on va faire lui. Ah, en jouer imperturbable à des médias. Alors, lui, euh, il a le physique d'un mec qui n'a pas mangé depuis 90 ans. Mais euh, sinon, ça va, quoi. Heureusement qu'il a du QPN. Du coup, le live dure plus longtemps. Bah, on va voir. Ça dépend des profils qu'on va voir, hein, les gars. Si on voit un profil de zinzin, il y a moyen. Ensuite, on part sur lui. Ishikura, sans ambition, imperturbable. Ah, il est pas mal lui. C'est dommage, ça note en dribble en contrôle de balle, mais sinon le reste, euh, ça s'augmente plutôt facilement. Il est petit, bah c'est un ailier après. Il est régulier. Ah et lui, il est pas si, faudra, faudra le suivre lui un peu, voir ce qu'il fait. J'aime bien, euh, il a un profil correct quoi, je trouve. Il demande déjà un peu de tune, il doit avoir un niveau euh, qui est sympa. Je vais mettre 400, il va accepter. Ouais, voilà, ensuite euh... Ken Oshimo, faible confiance en soi. Par contre, il a un profil de zinze physiquement. Il est très bon. Bon, techniquement, il a un peu en dessous quand même, mais ça va. C'est un latéral. Ah, quoi que, putain, putain c'est vraiment dommage qu'il ait une personnalité de merde. Mais... En plus, il a la blessure rouge. Bon, c'est un peu chiant, mais ça va. Il a régulier vert. Et putain, mais il a un profil euh, correct, lui. Toujours plus petit. Après, les gars, c'est des joueurs de côté. Pas... Ça fait chier, mais bon. C'est pas non plus, euh, tu vois, déconnant, quoi. Et il n'est pas mauvais, lui. Hein Pourquoi, lui, il demande plus en contrat jeune que l'autre On va demander un temps plein quand même. Ensuite, un autre latéral. Profil latéral offensif. Euh, pour une femme, ce serait petit. quand même. Ouais, c'est rien. Hein. N'empêche. Euh, Fuji Yoshi. Assez ambitieux, apprécié des médias. Ah, vache, mentalement, il n'est pas dégueu. Ah, mais c'est pareil, tu vois, ça manque d'appel de balle et de drip pour un latéral, quoi. Par contre, très en centre, physique euh, approximatif. Peut-être une croissance tardive, ouais, peut-être. Ouais, bon, il n'est euh, pas mauvais, mais c'est pas non plus. Euh... C'est un ailier, tu crois pas en vrai hein. il avance pas pour l'instant ah tu me diras il a déjà 9 et 9 accélération vitesse il n'y a pas de dribble il y a pas de passe non plus Il mange des petits filous c'est ça hop 1425 il va être content T as par contre il demande rien en salaire les jeunes c'est fou euh, au Japon alors ensuite euh, Katushiro Kinoshita deux pieds je pense lui il peut être latéral gauche comme latéral droit naturel je pense qu'il a les deux pieds et du coup il est éclaté Ah non il a que le pied droit il est très il est acceptable pied gauche Ah non putain vache il est bon Ah bah lui il est bon lui Ah lui il est bon lui en vrai Non Il est pas mal du tout. Hein. Il est quoi lui équilibré? Après, c'est des médias. On va noter lui. Je me rappelle plus à euh, des terres. Bon, c'est pas euh, Merde, il est où? C'est qui? C'est lui 12 des terres. Ok, marquage, euh, passe technique, contrôle. Ça manque un poil de drill, mais ça va. Et franchement, il est déjà 7 en contrôle en appel. Plus, euh, je trouve il est assez rapide. Pour un spawn. Après, il a déjà 16 ans, donc en vrai... Euh... Il vient de les avoir, tu me diras, donc ça va. Hein, franchement, il est pas mal, hein On a connu pire, quoi. Il nous fait chier, non il y a un bon petit niveau quand même, j'aime bien. Ensuite, Elie Masatoshi euh, Sugishita. Attention, dire que Wemby, à 15 ans, il faisait déjà 2m18. <laughs> Équilibré, apprécié des médias. Ah bah pareil, lui, il a un profil qui est intéressant. Ah putain, le contrôle de balle, la catastrophe. Oh là là. Ah, le mec, il part en conduite, laisse tomber. Le mec, le mec tu lui fais une passe euh, C'est compliqué, quoi. Tu vois Par contre, il a un physique de fou, quoi. 13 déjà agilité, 12 accélération, 13 vitesse. On va quand même noter. Euh, et que... Par contre, euh, lui, tu vois, je pense en prêt, il peut faire du bien à des clubs. En Nippon Soccer League, là. Euh, dès qu'il a 17 ans. Après, ce n'est est pas encore demain. Donc là, il va falloir le laisser peut-être en jeune. En vrai, il est pas mal, hein. Physiquement, mentalement, il y a déjà 11 appels de balles, 13 déterres, 11 inspirations, 13 jeux collectifs. Ça manque de, de, de sang-froid, ça manque un petit peu de, de concentration, mais bon, la concentration, ça monte vite. Enfin, à partir d'un certain âge. Non, franchement, c'est est pas mal aussi. Ben, c'est les plus nuls hein, qu'on est en train de regarder là. Donc, euh, franchement, je trouve que euh, ça va. Ah, 450. Alors ensuite, euh, Dodate. Tsugutoshi Dodate. Dis donc. Oh vache. Un en détente. Ils sont tous petits, c'est une dinguerie. Par contre, euh, euh, tension quand même, non? Il est pas mal lui. 10 dribbles, 14 finitions, 12 techniques, 8 euh, contrôles de balles, 14 accélérations, 9 en vitesse déjà, 11 euh, agilité, 12 équilibres. Il est pas mal du tout lui. Assez d'éther équilibré. Assez d'éther Franchement, euh, c'est propre. Je suis pressé de voir les une étoile et étoiles en haut. 5 en concentration. Mais ça, ça monte avec l'âge. C'est chiant au début, mais ça monte avec l'âge. Après, c'est les gars, au spawn, il ne faut pas s'attendre à délinguer. Alors ensuite, on va regarder Lucio. Là, attention. Facilement découragé. Déjà, tu as un en déterre, Lucio. Je préfère te le dire. Après, ça. Après, ah, ça, il est bon. En tout cas, techniquement, il est bon. Mentalement, il a un peu éclaté. En vrai, ça va, mais. Ouais, je sais pas trop quoi penser de lui. Ça me ressemble bien. Il y a déjà eu un décontracté. Non, il y a eu un. Faci... Il y a eu un perso. Il n'y a pas encore eu le décontracté. J'ai un peu peur que ce soit dans les 5 du haut. Là. Ah, c'est tout, on verra. Hein. Les 5 ou six qui restent. Il, reste. Il est pas mal, lui. C'est... Ouais, c'est... Bon, c'est pas exceptionnel, hein, quand même. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a en haut, parce que... Euh... Ah par contre, il est réservé, il a du pro. Ça, c'est rare. Hein. Très rare, ça, les gars. C'est ce que je dis. Avec 15, plus en pro. Ah oui, j'avais pas vu. Il est réservé, donc euh, ça va, tu vois, on a l'info sur le pro hein, quand même. Donc au final, euh, il devrait quand même progresser. Hein. Je devrais quand même progresser. Ok, ensuite, on va regarder euh, Lolo ou Nicolas. On va regarder Nicolas. Professionnel équilibré, je crois qu'il a un profil de zinzin. J'ai vu des 12, des 13 partout, les gars. Mentalement, je crois que c'est costaud déjà. Ah Là, on discute Là, là on discute. Pour ce genre de joueurs que c'est relou de euh, plus pouvoir les engueuler après chaque match moyen. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Là on discute les gars. Attendez voir, on va marquer pro équilibré. Pro équilibré. Là, j'aime ce que je vois. Là, là on discute là. 9 euh, contrôles, 8 en drip déjà, 13 en passe, 12 en technique, 16 ans après. Euh, 14 déjà en équilibre, 13 en QPN déjà, 9 agilité, 8 accélération et vitesse, c'est pas mal. MGR plutôt non, oh, non je pense à un 10. Pour le coup, euh, je le vois plus en 10 qu'en MGR lui. Il saute pas par contre. Mais ça, de toute façon, on est au Japon les gars. Hein. Un mec euh, qui a de la détente au Japon... Euh... Quand même, euh... voilà quoi, c'est rare quoi. <laughs> dommage le dribble, ouais, c'est un peu dommage le dribble, mais ça peut se bosser encore. Ça va, tu vois, jeune comme ça, ça peut, ça va, mais bon, c'est un peu chiant. Euh, donc, ça, on va le dégager, on va lui mettre trois euh, ans de contrat. C'est bon, je sais pas pourquoi il y en a ces trois ans, il y en a ces deux ans de contrat, je comprends pas trop comment ça marche. 450, 500, 475, allez. Franchement, Nicolas, propre ton joueur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Avec qui saute au Japon, joue au basket. Ouais, c'est un peu ça. Et ça, puis il n'est pas japonais. <laughs> ça doit être ça, ouais. Alors, Lolo. Sans ambition, mais imperturbable, j'ai vu. J'ai vu qui saute au Japon, ça a une case. J'aime bien le joueur, j'espère euh, le reste aussi lourd. Bah, ben, on espère. Hein. Ah, il y a un physique là Et eh bah ben, voilà mon mec qui saute Attends, mais il y a un truc avec lui là. Par contre, il n'a pas de déter. Putain, ça c'est chiant. Alors là, euh, il est pas mal, hein. Sans zombie, un 5 déter. Par contre, le 5 déter, il fait chier parce que du coup, j'ai un peu peur pour le pro, mais bon. Imperturbable, c'est bien. Hein. 1m90, ouais. Il fait chier que ce soit lui le grand de la bande, quoi. Putain, il est vraiment fort, lui, putain, physiquement. Euh... Corner manager. Un peu, ouais. Bah lui, il euh, y a moyen qu'il atteigne 15, 16, 17 détente. Hein. Easy. Hein. Après, j'espère, il a du pro quoi. S'il a du pro, ça va. C'est bien. <coughs> Salut, Jouf, ça va ou quoi Après, il y a déjà 16 ans aussi. Hein. Ah quoi. Zorion, à ton tour, Zorion Meneur de jeu en retrait. Donc là, il y a de l'équilibre, il y a de la passe, il y a de la technique, il y a du contrôle de balle. Ok Alors, belle fournée, pour l'instant, ça va, je trouve. Mais euh, il nous en reste 3 là. C'est les 3, visiblement, meilleurs au spawn. On va voir un peu. Toshiki Sasaki, Zorion Assez pro équilibré, je crois. Il n'y a pas d'équilibre. Il se fout de ma gueule ou quoi Comment ça hein ah, je, par contre, physiquement, il est pas mal du tout. Ah, il a des 8, des 9 partout. Il a... Par contre, il a déjà 16 ans aussi. Putain, fais chier. Très régulier. Assez pro équilibré. Techniquement, déjà bon. Wow, techniquement, il est fort. Oula hein. Oula Attends, mais il est bon, lui. Non, moi, je suis un petit, quoi. Et encore, il a 9 en détente, déjà. Salut, Flemzer. Attends, mais il est pas mal, lui. Il n'y a pas de enfin, réel point faible, lui, en fait. C'est ça, ouais Ah, si il y a de l'équilibre, regarde le rapport média. Ah oui, le rapport média, oui, c'est vrai. Euh... Non, mais 7 en équilibre pour un meneur de jeu en retrait, c'est bizarre. Pour l'instant, c'est une bonne fournée. Ouais, ça peut être une très bonne. On verra bien. Mais lui, il est bon, hein. Lui, attention, il faut le surveiller, les gars. Hein. C'est un bon joueur, hein, ça. Hein. Parce que techniquement, il a déjà quelque chose. Mentalement, il a, il a un petit quelque chose aussi. Lui à mon avis il peut bien progresser, et... bah faut voir quoi, faut voir euh, qu'est-ce qu'ils disent. Il pourrait beaucoup progresser, ouais bon bah ça de toute façon on me le dit tout le temps. Ok il en reste deux. On commence par milieu défensif. Attendez il faut que je lui fasse le contrat, j'ai pas fait le contrat. Ah vache, il demande cher, ouais, mais c'est parce que en fait euh, en fonction du niveau aussi il demande plus cher je pense. Le niveau au spawn, il doit avoir un niveau qui est pas trop mal lui au spawn. En plus, il a presque les deux pieds. Ah, il est. Bah non, il est acceptable, pied gauche. Il n'a pas presque, hein. Acceptable, c'est euh... 9-11, ouais. Bon, alors, Ben Swift. Ben Swift, attention. Assez fair-play, apprécié des médias. Oh, dis donc! 12 passes, 12 tacks, 13 techniques. 8 déjà en contrôle de balle. Ah il est 3 en détente. Terrible, hein, Ben Swift. Par contre, 12 en puissance déjà. Alors lui, c'est le, le costaud de la bande. Hein. Lui, il ne faut pas le faire chier. Hein. Full courage, bah ouais, mais bon, il y a du courage, mais c'est bien beau d'être courageux avec 3 en détente. Tu vois. Par contre, 16 QPN. Assez fair play, apprécié des médias, 9 des placement déjà 13. À ah, lui, il a un profil intéressant aussi. Hein. C'est dommage qu'il soit petit, quoi. Ça, c'est un peu chiant. Après, physiquement, il est en retard, un peu, je trouve. Il en avance sur la puissance, il est en retard sur tout le reste, ce con. Après, il a les deux pieds. Ah non, il est fort, pied gauche. Ah, fait chier, il a 15, entre 15 et 17, non C'est ça C'est ça, en fait, qui lui fait monter le, le truc. S'il y avait du centre, il aurait pu, limite, jouer latéral droit. Ah, ouais, ça manque de vitesse, quand même. Euh, assez fair play, apprécié des médias, neuf. C'est ça qui lui fait monter son niveau, en fait. Nul sur 20. Non, il est bon, quand même, tu vois, mais il n'a pas un profil qu'on aime, quoi. C'est un peu dommage. Tant des ouvertures dans le jeu de la défense. Ouais. Voyons l'attaquant avancer. Le 3 détente, trèche de tête, euh, c'est ça. Ouais, c'est chiant hein, la répartition comme ça. Déterminé, équilibré. Je crois que ça cavale. J'ai vu déterminer, équilibré, j'ai vu que ça cavalait. Ah, j'ai pas vu le reste. Je crois que j'ai vu un, un petit 7 ou 8 détente, un truc comme ça, mais c'est tout. Bah en 1 détente. Au contraire, je vais te le faire. Oh, what fuck? Non, mais il est bon, lui! Bah 16 oui il est déterminé donc forcément. Moi bis, quoi. Bah en vrai, euh, euh, plutôt euh, toi 10. Initiateur <laughs> de la team. Je le vois bien en 10, en 9,5, euh, alors il y est, quoi. Le grand attaquant, ou alors 4-2-4 avec euh, lui devant et en faux-neuf. 1 en puissance. Ouais, bon, puissance et détente, euh, voilà quoi. Après, il fait 1m60, quoi. Par contre, techniquement, qu'est-ce qu'il est fort Je le verrai 10. Ouais, moi aussi, un peu. En plus, il a une bonne perso. Franchement, putain, on a eu de la chatte sur les persos, là. Ça, à mon avis, c'est un truc avec la fidélité, ça. Ah, j'aime bien. Euh, déterminé, équilibré. Mmh. Il a de la barbe à 15 ans. C'est vrai qu'il n'a que 15 ans en plus. Ah, il va avoir 16 ans, là. Quand même. Écoute, euh, je pense qu'on va le faire jouer en vrai. Avance ah, centre de poche. Bonne promo. Ouais, franchement, il est bon. Hein. Franchement, la promo est bien. Euh, en plus, c'est marqué 5 étoiles, donc euh, d'après les dires de Doc. Et probablement d'aller que y vais, il y a quand même devoir des, des, euh, des bons potentiels dedans. Normalement, quand t'es 5 étoiles, t'as plus de bons potentiels. Aucune déception. C'est vrai qu'il n'y a pas de grosse déception. Même celui, même, je crois que c'est Lucio qui est facilement découragé, mais il est réservé, donc ça va. Faudra voir, on va les mettre avec les jeunes un petit peu et puis on va faire monter, je pense. Euh... 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 Est-ce que Lolo, je le fais jouer, quoi, c'est ça le problème aussi. Pour la fin de saison. Après, il est gaucher en plus. Putain, ça tombe bien ça. Mon joueur est devenu quoi depuis son spawn l'an dernier Je crois qu'il est en prêt, toi, lui. Attends, il y a Youssef aussi Putain, et il y a pas mal de joueurs qui ont bien progressé les gars. Lui progresse bien aussi. Progresse de fou ton joueur là, t'as vu Devient leader pour avoir une influence sur les autres. Ah bah ouais ouais, c'est un peu ouais. Un peu, ouais, Lucio, ouais. Ouais, ça progresse, hein. Je vais le renvoyer en prêt, hein, lui, hein. Après, il a Iwate. Et il joue pas beaucoup, hein. Après, bah. Ça, je crois qu'il est parti en prêt qu'à la mi-saison, lui. Au mois d'août. Donc ça va, hein. Il a joué 8 matchs là. En vrai, c'est bien parce qu'au Japon, j'ai l'impression qu'ils les font jouer quand tu les envoies en prêt. Donc ça, c'est cool. Pour voir comment ils montent les new gen. Bah, en vrai, euh, là maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Parce qu'il euh, me reste 6 matchs à jouer. Déjà, je, je pense que je vais faire. Euh, euh... Le truc, c'est que lui, il a besoin de jouer aussi. Alors, c'est soit. Je fais jouer Flemzer sur, sur la fin de saison. Soit je fais jouer le pio, euh, petit filou, là. Attendez. Il faut que je fasse euh, la sauvegarde. Voilà. Sauvegarde New Gen. Ils vont rouler sur le championnat pendant 20 ans. Ah, C'est possible, en vrai. Hein. Franchement, euh, vu comment je développe bien leurs joueurs et tout. S'ils se démerdent bien, euh, ils peuvent rouler sur le championnat pendant longtemps. Je leur ai développé leur, euh, leur centre de formation et tout. Euh, franchement, euh, là, ils sont bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suivre le club après être parti, quand même. Bref, bah on regardera de ouais, temps en temps. On regardera. Euh, on va attendre qu'ils signent, voir s'ils signent ou pas. Et puis c'est bien parce qu'on n'a pas de match de championnat tout de suite, donc ça c'est plutôt cool. Je le ferais bien entrer en 10 quoi. Mais là, là vous savez, je suis à un moment donné où je crois que je peux pas trop euh, augmenter la qualité de mon équipe quoi. J'ai l'impression que les joueurs qui vont être disponibles ne seront pas beaucoup plus forts que ceux que j'ai là et probablement trop chers par rapport à la qualité. Quoi. Lui, par exemple, c'est dommage, il a un physique de consanguin, quoi. sinon il est très fort. Il vraiment physique de merde lui hein, pour le coup euh, je vous laisse les gars bon stream quito et bon après, e Bo euh, après midi à vous bon après-midi lucio mais oui je pense qu'on suivra quand même hein, les gars On finira par suivre un peu ce club quand même voir ce qu'il donne après le seul joueur que je voulais vraiment c'était le gardien et... et il est parti à city quoi Passe Les couilles, un peu ça. Il y a quand même effet, mais ils vont encore aller en finale de, de cup, quoi. Salut Alexis, ça va quoi Alors, Flemzer. À Flemzer, ça commence à bien monter aussi, là. Hein. En vrai, je sais pas quoi faire, quoi. Je sais pas qui mettre sur le terrain et tout, quoi. Par contre, 16 en équilibre déjà à son âge, là. Ma mama. Ma. Ma mama! Le FC Nantes a marqué un but, c'est exceptionnel. Ah, ça, c'est bien, ça! En vrai, euh... en vrai, quoi. En vrai, les gars, on va... on va faire quand même le premier match des New Gen. Et je pense qu'après, je ferai la fin de saison solo, tranquille. Dans l'après-midi. En off. Il était bon le dernier. Comment Ça, bah, c'était euh, le dernier. C'est celui, c'était le toi bis là. Que tu disais, c'est moi bis là. C'était lui le dernier. Il est où d'ailleurs? Ah, mais c'est dans les jeunes à laisser alors. Euh... C'est lui le dernier. Il est bon. Hein Attends, mais il avait pas dix sans passe là. Si, il était pas à neuf. Qui était à 9 et qui a déjà commencé à progresser, ah, il est vraiment très fort, mais non, je crois pas, les gars. Genre, vraiment, je crois pas. On va les voir, on va les vérifier. Non, mais lui, faut il faut qu'il joue. Hein. Enfin, je vérifierai plus tard. Bon, oui. À chier, c'était le MOC à 10. Ah c'est lui qui peut jouer MoC. quoi. C'est lui, lui on va le mettre en ditch, je pense. Après le problème que j'ai c'est que j'ai aucun joueur qui peut. Lucio, Orion, Ben Swift. Moi je me demande s'il n'a pas commencé déjà à progresser. Tu vois. Alors tiens, tu sais, on voit pas les flèches tout de suite, mais des fois ils progressent direct. Ça peut arriver. Les jeunes à l'essai, ils ont perdu, mais attends, mais il a pas fait jouer le pion. Ah, vache! Ah, il... Attends, mais. Ah, le petit filou, il a signé là? Ah oui, c'est petit filou, il a signé. Bon, on va le monter en équipe première, petit filou. Faut montrer ton effectif trié par valeur. 4 ,5 millions 5? Non. Voilà oh, la dinguerie! Je vais le faire jouer direct. Ah, il va jouer en 10, les gars. C'est lui, mon 10. Il a un physique trop extraordinaire en plus. Ah, je vais le faire jouer en 10. Non, ah, je vais le faire jouer en 10. Après, un 4-2-4, c'est simple, hein, les gars. Je garde exactement la même chose. Tiens, par contre, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je garde exactement la même chose et lui je le m'en faut neuf, tu vois. Euh, 10, je le m'en faut neuf. Mais je pense que le mettre en 10, c'est... Ah tu me diras, il est fort pied gauche. Ah oh, putain Ça va lui prendre trop. Après, je ne sais pas si là, ça prend déjà. Tu crois que ça prend déjà, là, Alex Non Ouais, mais là, ça prend 18. Mais là, ça prend pas déjà pour le MOC. Si tu me dis, ça va prendre 25. Ouais, je sais. Ouais, si je le mets en faux 9, non en 4-2-4 avec un faux 9. Parce que Dreluc, en plus, il peut jouer 10. Et il peut jouer neuf. Et Faux 9, je pense que ce serait son meilleur rôle d'ailleurs. Il est où Dre Luc Il est là. Ah, Dre il est au taquet, hein, les gars. Putain, je suis Ah tu vois, son meilleur rôle, c'est Faux neuf. Après en vrai ce que je peux faire aussi c'est euh... après j'aimais bien le ralentir le rythme sur je peux pas là j'aimais bien ralentir le rythme sur le pivot je trouvais que c'était bien on va essayer on verra j'ai bien envie de l'essayer en faux neuf quand même après ce que je ferais bien aussi c'est les inverser tous les deux ce qu'il est bon pied gauche lui Un truc comme ça, quoi, tu vois. Que lui, il peut y jouer devant ou pas, Flemzer? Flemser il peut jouer devant. En faux neuf. Euh... La f c'est son mais non mais c'est trop bien en fait. C'est le meilleur euh, le meilleur move que je puisse faire, c'est ça, je pense. Je pense que c'est le meilleur move à faire les gars. Et genre euh... on va changer, attends. Donc, Aga en 6, c'est bon. Droluc, non, on va mettre. Euh, du coup, Droluc, il va passer sur le banc. Et on va mettre euh, Petit Fidou. On va mettre Petit Fidou comme ça. Euh... Enfin, c'est chiant d'avoir que 7 remplaçants aussi, c'est casse-couille à souhait ça. André Gobert, Kessler. Et de reluc. et du coup le Kessler il peut jouer devant il y a lui qui progresse bien aussi et là genre je ferais bien ça même genre mettre euh, Rodrigo Bert euh, en Je le mettrais bien titulaire lui maintenant, tu vois. Commencez à farmer les liens là. Après, commencez à farmer les liens. Les deux sont blessés. Un duo avec Ben Swift. Ben Swift, euh, non, parce que Ben Swift, euh, pourquoi Ben Swift À ben Swift les gars, c'est quand même euh, voilà quoi, c'est chaud hein, par rapport à ce que j'ai. Euh... Non mais là c'est bien là, Bernardo et Aga. Là je serais bien ça. Treluk sur le banc. Euh... Faudrait que j'enlève un, faudrait que j'enlève un... un 8 de sur le banc. Hein. Pour pouvoir mettre un attaquant. Ce serait bien ça en fait. Après, Flemzer, il peut jouer devant. Et à la place de Droluc, je mets Flemzer. Ça, Flemzer, il se développe quoi. Flemzer, il a quel âge Il vaut de l'argent aussi. Hein. Flemzer, il a 17 ans. bien ça moi les gars tu vois après là pour la fin de saison je vais devoir faire jouer nubir et Guizouzou mais ça c'est encore autre chose genre godshanks genre godshanks tu prends la place là et genre euh, droluc tu prends la place là tu vois lui revient dans deux jours kessler là, kessler il a toujours cinq étoiles aussi hein pourrait beaucoup progresser encore. Hein. Après, il a été pas mal blessé, c'est chiant, mais... En vrai, je, je ferai... Ça prend que quand c'est acceptable. Ouais, donc à partir de 15. Donc là, en gros, lui, il faut que je le laisse faux euh, 9, ouais. Pas que je le fasse jouer 10, là. Là, ça lui prend pas... Là, ça... En fait, là, ça lui a rien pris du tout, là. Normalement. On est d'accord, hein. Bah, tu me diras, de toute façon, ce qui prend le plus, c'est pour l'attaquant, après le 10. Donc... Euh qu'il qu arrive non mais lui il est vraiment bah, il est vraiment fort hein, quand même c'est con qu'il soit pas régulier mais il est vraiment très fort hein. il a déjà le niveau pour jouer en J3 ils me disent là si je lui fais jouer la fin de saison plus euh, l'après-saison l'année prochaine et tout là je pense qu'il faut qu'il joue en fait les gars je pense que je vais essayer de jouer comme ça tant pis on verra bien hein, on a encore six mois aussi au début de saison l'année prochaine euh... Lui, il a resté excentré, c'est bon. Je sais pas si j'ai Rhodes 4-2-4 quelque part. Là. Je vais faire ça. Ça revient au même. Parce qu'à Rhodes, c'est comme ça que je joue. Après, il faudrait que j'enlève euh, le tirer moins souvent. Je l'ai enlevé, centré en profondeur. Tac, tac. Ah non, bah c'est bon. C'est lui le tirer moins souvent, il faut que je l'enlève. J'ai l'impression, eh, Alex, je me trompe, mais j'ai l'impression que le tirer moins souvent, ça les empêche de centrer des fois dans certaines situations. C'est vrai ou pas Reviennent en arrière quoi. Alors, on est d'accord. Pour ça, je veux l'enlever sur eux. Et je vais même l'enlever sur eux aussi. Je vais l'enlever sur eux. Ça aussi, le centré au point de pénalty, je vais l'enlever. Qui centrent où ils veulent. j'aurais bien aimé pouvoir faire ralentir le rythme, mais bon, c'est pas grave. Au pire, il attaque en retrait peut-être. J'hésite entre les deux en fait, mais on verra bien. On va essayer déjà le faux neuf et on verra. Parce qu'en gros, tu vois, j'aime bien que lui, il puisse orienter le jeu. Je trouve que ça marche bien dans ma partie là, Rodez. Ah par contre, mes attaquants, le pivot marque énormément dans ma, dans ma partie. Attaque en pivot, ça marche de zinzin, je trouve, là, dans un 4-2-4. L'attaque en avancée marque moins que le pivot, d'ailleurs. Ok, bon, on va faire une sauvegarde. Je suis à deux doigts d'ici le passer à... Ah, je vais laisser l'intérieur, intérieur. Dire de rester excentré, ok. Bon, on va essayer ça. On va essayer ça, les gars. On va faire le match face à Kyoto. Peut-être un deuxième, vite fait. Après, et puis euh, ensuite, je finirai euh, solo. Mais je veux voir si euh... merde. Attendez, parce que là faut mettre un jour de repos. Attends, mais on est quel jour là Samedi 8h du matin. Ah non, il y a match aujourd'hui. Mmh. Je pense qu'il y a que lui que je monte en une pour l'instant. Hein. Ça passer 5 étoiles les deux. Les deux sont passés cinq étoiles les gars. Ah je vais le faire jouer. Je pense lui en plus il a l'aperçu il a pour monter et tout donc. Euh... Ah il a brosse le ballon en plus. Oh dinguerie. Il la ne dégage pas sous pression, il la brosse le ballon. C'est bien ça. J'ai oublié de les mettre eux. Pas de blessure, s'il vous plaît. Pas de blessure, s'il vous plaît. Ah, C'est bien ça. C'est un semi-life ban. Ah ouais, C'est fou, hein, le nombre de joueurs que de mon centre de formation. Bah, en vrai, je pense que... Finira par oublier ce qu'il a appris au poste de milieu offensif. Parfait, frérot. Parfait! Oublie! Vas-y, oublie! Tranquille! Régularité, il est en orange, quoi. C'est ça qui est un peu chiant. Bref, Lemzer, il peut la prendre assez rapidement, je pense, attaquant. En plus, il n'a pas des notes de zinzin pour être attaquant, pour l'instant. Donc, ça va. Lemzer, faudrait qu'il joue, putain! Il faudrait que je joue avec trois attaques. On jouer avec trois attaquants. En fait, j'ai trop envie de développer les jeunes là. Mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse, les Faut que je gagne avec des champions. C'est pas développer les jeunes qu'il faut faire là. Mais je suis trop amoureux des New Gen, en fait. C'est une dinguerie. Tant le nombre de matchs en carrière, on est d'accord. En gros, à partir de 22 ans, ça, ça monte de fou, tu vois. Bientôt il y aura accès à des new t'inquiète. Bah ouais, mais j'aime bien les développer. Développe les jeunes pour gagner à LDC, du coup. Bah ouais, mais bon, ça va prendre plus de temps. Et à partir de 22 ans, ça monte de fou. En fait, les gars, pour ceux qui ont suivi mon live ban, Chester le Street, c'est dans... là-dedans qu'on s'en est rendu compte. C'est en jouant le live ban, en fait. J'avais des mecs. Qui euh, ont commencé leur carrière régularité rouge et qui ont fini avec une régularité verte genre entre 15 et 17, quoi. T'imagines Comment c'est monté de fou. C'est des joueurs qui ont, fini, qui ont commencé orange et qui ont terminé à 20 en régularité. dinguerie, ça, quand même. Hein. Elle est facile à remporter en vrai. Bah C'est facile à aller en finale, d'après ce que j'ai compris, mais c'est compliqué de... Le... De battre les, les clubs, euh, les clubs rebeux quoi, l'Arabie Saoudite. Tiens, mais comment ils ont fait pour euh, pour passer alors qu'ils ont pris 23 buts? Voilà, dinguerie, ils ont perdu 4-2, ils ont gagné 5-2 là. <coughs> ok, nous vraiment un meilleur effectif. Ah, c'est ça le truc en fait. Apparemment c'est facile de glisser jusqu'en finale, je crois, mais après à partir la finale, c'est la merde quoi. Oh, je suis tout fou les gars de mon petit Newgen là Être à fond niveau cohésion et avoir des bonnes mentalités. Bah après les bonnes, les bonnes personnalités je les ai. Hein. Là ça va. Hein. Je trouve que même d'ailleurs c'est assez incroyable qu'en aussi peu de temps j'ai réussi à monter des personnalités comme ça. Quoi. Je trouve que là je suis vraiment bien émerdé quand même. Après ça ne me dérange pas de faire 2-3 saisons de plus. Hein. Ce serait chiant en championnat, mais en vrai, voir nos jeunes monter et euh, finir par gagner avec nos jeunes, ce serait cool, quoi, tu vois. Ça peut être sympa aussi, quoi. Faire l'équipe en face avec deux exclusions. Ouais, vache. En vrai, je sais pas, ça peut être sympa. Ce qu'il faudrait, c'est que je. Ou alors que je trouve des étrangers qui sont vraiment monstrueux, quoi. Mais euh, là, euh, en vrai, je vois pas parce que j'ai tellement envie de développer mes joueurs que. Peut-être un latéral droit qui serait complètement cheaté. Il euh, faut avoir de chance de ne pas tomber sur euh, les deux gros, mais généralement, tu euh, se plantes souvent. Ok, ok. Assure que tu as des shirkers, par contre, euh, du coup, non. Bah ouais, ouais, quand, euh, je, quand je vais partir, ça va me faire chier. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Tant pis, hein. Ah bah Godshanks putain Godshanks il continue de progresser de zinzin. Hein. Bon lui tu vois la régularité elle a du mal à monter chez lui. Il est toujours en rouge. Alors soit il avait vraiment un genre en régularité soit. Ah, je le vends Godshanks. Mbappé Ballon d'Or. Mbappé Ballon d'Or. Mbappé ballon d'or a une chance si tu es au Brésil c'est avant chaud bah j'irai au Brésil hein J'irai au Brésil les gars T'as un gars il fait chier hein. Il faut qu'il arrête, lui, là, d'être mécontent. là. Je peux, je peux rien faire en plus. Les préparateurs, je les ai augmentés. Là. Je peux rien faire de plus. Hein. Il est marrant, lui. Samedi, samedi. Euh, mécontent, évasif, imperturbable. Ouais, C'est un peu ça. Non, mais il est chiant d'être mécontent. Il est mécontent parce qu'il veut des meilleurs préparateurs, mais j'ai fait ce que j'ai pu moi. J'ai une meilleure équipe de prépa et tout, donc euh, je pensais que là il allait être plus mécontent maintenant que j'ai recruté, mais Zubby un peu mon vieil. Alors il fait sa starlette, bah ouais mais bon. Bon après je m'en fous que sur mécontent maintenant, ça va c'est pas grave. Pas le plus chiant quoi. Alors, est-il, du coup, il est encore blessé Non. Par contre, Doc, encore 6 jours. Donc, on va mettre Enubir. Et Rodrigo euh, Rodrigobert, encore 6 à 12 jours. Donc, on va mettre Gizouzou. Et là, on va mettre Gotchanks ici. Et on va mettre euh, Droluc ici. Tiens, Kessler est de retour aussi. Il faudrait peut-être lui faire jouer quelques matchs à la fin de saison. Ce serait pas mal. Bon, alors Voyons un petit peu ce que donne notre petit jeune, là. Peut-être qu'il va être euh, monstrueux. Ah, c est, c est, je serais fin fou. Euh, première mi-temps depuis 6 mois où le FC Nantes fort, je suis choc-barre. On a surdominé contre Nice. Bon, en même temps, Nice, ils, ils passent leur vie à défendre. Alors, euh... Il y a un zéro, là. Allez, c'est parti. T'es un petit filou. J'ai envie de te donner le numéro 10 dans ma team, carrément. Pour l'instant, tu auras le 10 plus tard. Ouais, ok. c'est qui a marqué du coup Alors, dire si vous continuez sur ces derniers matchs, c'est bon. Tac, tac. Allez, j'y vais, petit filou devant. Allez, j'y vais, petit filou devant, les gars. Ablin ok. Le meilleur duo possible, on espère. On espère que ça va le faire. Que le pio va être bon. Par contre, il est tout petit. Regarde-moi ça. Ah, mec, j'y vais en fait. Je passe des deux sexuels. Et hop, un zéro. Merci, monsieur. Je fais pas de passe. Par contre, bonne chance. Bah, de toute façon, c'est petit filou le mettre à jouer là. Petit filou, je sais même pas ce que je lui bosse. Qu'est-ce que je lui mets en entraînement individuel Oh là là Alex ah, Regarde s'il si fait pas de passe Alex t'es fou quoi c'est bien, Alex. Continue comme ça. Par contre, j'ai deux irréguliers devant. Ça, c'est pas bon. Et bon, c'est pas Tant pis. Moins plus moins égale plus, t'inquiète. Ouais, c'est vrai. Allez, eh, bah, t'y battes. Bah, t'y bat. Bah, pour euh, XXL. XXL. Regardez mon petit filou, ça! Ce joueur est unique! Oui, mon petit pilou, tu es, tu es unique, petit pilou! Regardez-moi ça! Ça capique! Petit pilou qui marque! Après 20 minutes, 18 minutes, exactement! Il marque déjà devant son public! Et ça, c'est beau! Bon. Le premier d'une longue série en espère hein, en vrai hein. Alors, en vrai il peut faire euh, en plus dans le championnat comme je domine et tout y a il ya moyen qu'il fasse des trucs bien tu vois et moi que ça développe bien les joueurs quoi c'est vraiment le le point fort de euh, le point fort de ce genre de championnat où tu, tu finis pas par contre il est vraiment petit tout ça pour trois kebabs par semaine ouais c'est vrai euh, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, par contre, c'est vachement bien euh, ce genre de championnat pour développer les jeunes, quoi. Tu vois, tu peux leur donner du temps de jeu très très tôt. Tu surdomines le championnat, mais tu peux bien développer tes jeunes, quoi. Après j'ai très peur euh, le début les débuts en Ligue des Champions euh, du coup comme j'ai beaucoup beaucoup de jeunes j'ai très peur et bon c'est pas grave. Imaginez, il marque de la tête le pio et eh, putain les gars j'ai réussi à faire un truc avec euh, avec Rodez là euh, j'ai refait euh... ah, oui allez Alex dommage j'ai refait un... une carrière du coup comme j'avais écrasé l'autre. Fin de saison 2 j'ai réussi à acheter le stade. Je retarde l'échéance pour avoir un nouveau stade. Acheter le stade qui sert à rien plus. 5 millions seulement. J'ai payé cash. On hum. pas eu la même fournée. C'est la différence entre les bons et mauvais infras. Ouais, ouais, ouais. ouais vache. Par contre, regarde ton MOD, on sait jamais. Hein. C'est quoi ce drapeau là Pourquoi il y a ça comme drapeau Qui c'est -ce qui marque C'est Nagelchwa Ah non, c'est Usink. Bien joué ça. Ah promotion médiocre toi. Oh, vache, ouais, toi t'as eu catastrophe un peu. Bien joué Usink. Deux questions, Kini, tu as eu tes new gen Oui, en gros, ça donne quoi euh... <coughs> bon, Moi, du coup, il touche pas à une balle. Ouais, tu m'étonnes. Euh... J'ai eu mes new gen, il y en a plusieurs qui sont bons. Et il y en a un qui est très très bon et c est... Il, est... Il, vient... il joue son premier match, là, c'est petit filou, c'est un attaquant. Ah, par contre, il est petit, donc du coup, je suis passé en 4-2-4 là. Jouer avec les jeunes du centre de formation devant. Fin fou. Euh, C'est lui là. Regarde ça. Il, fait où, il Porte bien son nom. Ah ouais là. Putain, il est fort. Hein. En vrai, il est vraiment très bon, les gars. Appel de balle, déjà anticipation neuf. Décision neuf. Manque de sang-froid, en vrai. Peut-être lui faire bosser sans fraude, dribble. Bernardo qui est blessé. Vous êtes en escalation de vie, mais que ce soit. Bah après il fait 1m60 donc euh ouais. Regarde ça C'est un minima, frère Il est tout petit <laughs> <laughs> Il est plus petit que Messi Eh les gars J'aurais pu l'utiliser au Benchlord J'aurais pu l'utiliser au Benchlord en vrai Je vais faire sortir lui Je vais faire rentrer la coeur je pense Gochonks Va rentrer aussi. Kessler va rentrer. Après, je pourrais faire rentrer Femder à place de petit filou un petit peu là. Donner un peu de temps de jeu sur la fin de match. Un poutin le bordel. Ah ouais non mais clairement. Moi jai t -il... Mmh. <laughs> tu vas bien avec tes attaquants. <laughs> Chanson de Tosmar de fin boya. T'as un Alex, hein Ah, je vais prendre le troisième, t'es chier. À moins que... Ah non, c'est bon. Vidano faut être bon là, sur ce corner, ce serait bien. Mmh. Oh, C'est plutôt cool, hein? Propre, hein? Tifilou, 7,2 pour son premier match. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut, les gars. Ah, c'est propre. Hein. On va faire le prochain match quand même. Tifilou marque pour ses débuts. Avant-centre âgé de 15 ans. Bien sûr, monsieur. Filou du centre de formation et pas les batteries Si petit petit filou tube. Mais qu'est-ce qu'il a dans ce tube? Euh, alors qu'est-ce qu'on lui fait bosser? Bon, on est d'accord que la détente ça sert à rien. Le physique, j'ai envie de dire, il va se développer tellement seul que voilà quoi. Peut-être le sang-froid ou sang-froid décision qui peut être pas mal ou le contrôle de balle dribble. Je je vais mettre contrôle, ouais. Pour le dribble. Tu vois qui... Tu vois Je vais mettre du dribble un peu. Et après, on lui fera du sang-froid. On va essayer de qu'il monte à 12 en dribble. En plus, si il est déter, s'il a vraiment beaucoup de potentiel, ça va up très vite. Il y a un monde dans lequel il est monstrueusement fort euh, en termes de potentiel, lui. Hein que là il spawn à combien vous pensez la 80 non Ah non mais ça c'est Alex. Brasque devant le père. Ouais mais bon d'accord, mais ich, ich, quand même 80-85 là Alex t'en penses quoi Mais un coup de boule à hauteur du genou de Halande, attention. Ah c'est vrai. En fait, il a tellement un gros physique que ouais, ça doit faire monter. En fait, il n'a pas de vrais points faibles euh, Améliorable facilement. Parce que les indices techniques, c'est nul. Ça marche quand même, hein. J'y arrive un peu hein, sur le long terme. C'est long, mais j'y arrive. T'en penses quoi Tu crois qu'il a combien Alex là 80 85, non Gros de fin... Ouais, Il a même peut-être. sa euh... ah, mère gros puissance, tu peux chercher un plus 12. Ah non, non, non. En vrai. La puissance, elle a monté direct. 80 plus, ouais. Ouais, je pense qu'il est entre 80 et 90. Donc ça veut dire c'est entre 160 et 180, quoi. Si on part dans notre logique et qu'on est dans la... La... le bon côté des probas, euh... on se dit c'est 160 minimum, quoi. Du bon côté, c'est 160+, ouais. Ouais, sur le bon côté des probas, c'est ça, quoi. Il est vraiment très fort, les gars, quand même. Hein. Là, franchement, on a une pépite, là, je pense. Hein. Bon, ça, il peut absolument le faire jouer, là. On va voir euh, fin novembre, ça se trouve. Je vais voir des flèches dans tous les sens. Je vais être fin dingue. Euh... Invite à aller sur le site euh, TransferNow. <laughs> je te l'enverrai tout à l'heure après le live. Je te l'enverrai si tu veux. Mmh. Et il n'y a pas moyen de battre le record de points là cette année. 92, bah si. On a 86. D'ailleurs, j'ai relancé le ban, j'ai eu un éclair de génie. Pourquoi 22 saison, du coup, premier. Je demande fin juillet. Ah ouais, bah ouais, ça c'est pas con. Cool. Et en plus, je pense que t'auras peut-être même... Ça en aura peut-être même des... des new gen la première saison, je sais pas, c'est quand au Mexique, c'est en janvier, je crois. Et en vrai, attends, mais il vaut trop d'argent là pour un spawn, non? 4 ,5 millions 5 pour un spawn, c'est une dinguerie un peu, non? Alex, combien tu vaux? Les fréquences de demande move up des infras, C'est tous les trois mois à peu près. Normalement, c'est en gros tous les deux, trois mois tu peux demander quand ça a été accepté et que c'est passé. Mmh. Alex vaut deux fois moins que moi. Ouais, ouais. 65 euros le salaire d'Alex. Bah c'est parce qu'il a un contrat jeune encore, mais il va avoir 17 ans, je crois, non Il les a pas encore ces 17 ans Miadzao, on s'en fout, Tony Rosso. Ah, oh, 3-4 mois, putain, fait chier. Attends, euh... Alex, il a pas 17 ans encore, si. Ouais, en mois de janvier, on verra. Mais il a déjà signé un contrat pro. Hein. L'attaque qui coûte 100 euros par semaine. Eh, C'est ça, hein C'est ça de développer aussi le centre de formation, les mecs. Hein. Ça sert à ça aussi, hein Après, il va falloir que je sois bon, là. Euh, parce que je commence à être euh, ricrack, là. Ah bah non, je vais dire que je commence à être ricrack financièrement. C'est vrai que j'ai vendu à un mec 20 millions. <laughs> Autant pour moi Je ne rappelle rappelais plus. C'est vrai que j'ai fait un braquage un peu. C'est vrai que c'était un sacré braquage quand même, le mec que j'ai vendu 20 millions. Les coupes cette saison, ça a donné quoi M'en parle pas parce que. M'en parle pas. Ah putain. Ah putain, ça commence. Alors par contre, il devait avoir. Euh... Imagine, il a toujours le projet Non. Bon, il est entre 12 et 14, quoi. Il est toujours motivé après avoir eu un event, donc il devait être très très haut, lui. Hein. Il devait être très très haut. C'est tellement chié ça. Je vais pouvoir le prêter, lui. L'année prochaine, je vais pouvoir le prêter. Il y a une paire que je vais prêter quand même là. Ah la coupe, je me suis fait baiser un peu les mecs. Hein. La coupe, vraiment, je me suis fait éclater. Sujet qui fâche la coupe. Nouveau record de buts en vue. Non, de points en vue. On a 104 buts cette année. L'année dernière, c'est quoi le record de buts d'ailleurs? 104. Ah, c'est déjà nous. On a déjà battu le record de buts. On a déjà battu le record de buts, les gars. Ah les coupes en fait je me suis fait baiser. Euh, J'ai perdu match aller-retour re contre Kashiwa ou Kashima, je ne sais plus. J'ai fait un peu nimp Tom Tom, il progresse. Ah Flemzer qui se blesse fait chier. qui B, l'équipe B en fait, j'avais fait le premier match, équipe B, match aller, j'ai perdu 6-2 chez moi en coupe. Et après, euh, au match retour, j'ai mis l'équipe 1, j'ai gagné 3-1, j'aurais dû gagner 6-0 limite. J'ai vraiment pas eu de chat. Mais bon. Et puis euh, sinon, la coupe... Euh, L'autre coupe, j'ai perdu euh, en mettant l'équipe type, je crois. J'étais un peu deg, mais bon comme ça ça arrive hein. de toute façon j'arrive pas à tout gagner dans une saison même en solo j'arrive pas il ya toujours un truc que je perds toujours un match où je me fais baiser euh... ah mes clubs parents mais les gars euh... vous êtes con quoi Ah, docteur Jim est de retour. On va le faire jouer. Par contre, Rodrigo il revient dans trois jours, donc on va lui faire finir la saison. Ok. Pour enlever mon pseudo du gardien. Ouais, de toute façon, je vais le vendre. Alors. Ouais, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, chef. Et du coup, Drelux, je peux le mettre aux deux postes, c'est ça qui est bien, tu vois. Je peux le mettre en faux neuf, je peux le mettre en... en attaquant avancé. Ça manque un peu de, de vitesse et tout, mais... Je vais le vendre, il veut partir là. Ok, donc c'est parti les gars, voyons ce que donne ce match. On espère que ça va bien se passer. Ils ont un kinito devant eux. Je regarde qui c'est. Ils en ont deux. Ah ils ont deux kinitos. Imagine, ils ont deux new gen hein, quand même. Hein. Vraiment fort lui. Il y a vraiment des bons, là, hein, sur... Euh... Bien joué, Aga. Oh, vache. Et, par contre, lui, il a un physique de, de légende, quand même. Hein, ça se voit. Hein. Présence qu'il a sur le terrain. Ils ont des bons joueurs. Noël Lopez, là, il va d'être bon. Il a l'air d'être gaucher, le Pio, là, non il est sur son pied gauche comme ça là. Il a 17 ans lui. Il est déjà titulaire en J1, il a 17 ans, il a bien progressé. En plus, il est en jeu imperturbable. Ce serait bien que je le recrute, lui. Je le mettrais ailier gauche. Alors, je. Dommage. Je le mettrais ailier gauche, euh, et du coup, j'aurais mes deux ailiers gauche là. Un petit jeune pas mal comme ainsi résistant perturbable. Ah mais il joue devant. Il joue déjà. et titulaire déjà. C'est top pour faire jouer les jeunes. Ah, franchement c'est vraiment c'est vraiment génial pour faire jouer les jeunes. Hein. championnat Japonais c'est vraiment parfait. Hein. Dommage petit T'ifilou, là il faut marquer. Mais hein. pas chez japonais. Là. Enfin si mais non. Connaissez cette euh... cette réplique de film On n'est pas chez les Japonais là. S'il y en a qui me sort la ref, alors là franchement, petit filou, oh petit filou. Je, je je suis même pas sûr en fait que ce soit dans ce film là, mais je, je crois que si. Je crois que c'est dans euh, Le ciel, les oiseaux et ta mère. Qui n'a jamais vu ce banger Franchement, il y en a d'entre vous qui n'ont jamais vu Le ciel, les oiseaux et ta mère Fait chier de prendre ce but. Ah, oh, il a refusé. J'aime bien hein, cette réplique. Pourtant, j'ai pensé le film. Je crois que c'est euh, celui qui a la golf là qui le dit. Là, je sais plus comment il s'appelle. La golf décapotable. On va dire qu'on est déçu. <laughs> Quel film de Zinzin? Bah c'est pas... Euh, D'ailleurs c'est pas euh, Julien Lepers qui s'appelle Comment il s'appelle Si c'est comme ça je crois qu'il s'appelle. Non, je sais plus. Pff, ouh, Bidano Non c'est Julien comment il s'appelle Si je crois que c'est un truc qui c'est un... Attends. Non c'est Julien comment Si c'est Julien je crois qu'il s'appelle Julien Comment il s'appelle Attends Le Ciel les oiseaux et ta mère Ah non c'est Julien Courbet voilà c'est ça Il s'appelle Julien Courbet <laughs> Ouais, je confonds, je, confonds, je, confonds. je savais qu'il avait le même nom qu'un présentateur, mais je savais plus lequel. Je crois que c'était le Perse. Mais non, c'est Courbet. C'était Mike, voilà. Mike, Youssef, Stéphane, Lydie. C'est vrai qu'il y avait Ramzi dedans. Comment il... Mais il... est où l'autre acteur Ah voilà Laurent Dutch Laurent Dutch, quoi Carrément, quoi Laurent Dutch, quoi Quelle dinguerie Touche pas mon yop, ouais Carrément, il y a Laurent Dutch dedans, quoi. Laurent Dutch, euh... l'acteur, hein, les gars, hein pas l'historien <laughs> Laurent Dutch la légende, ouais. il m'a toujours fait rire, lui. On va dire qu'on est déçu. Bon, ben, je sais pas, hein, peut-être s'arrêter là, les gars. Hein. Je vais peut-être terminer tranquillement euh, en, en off hein, jusqu'au 1er janvier, à peu près. Mmh. Que là, on a encore, euh, tu vois, j'ai encore deux semaines, je crois, de, de trêve. Ah, là, ça me fait chier de passer tout ça en live, les gars, je vous le dis. J'aime bien faire des trucs à côté, moi. Ou Coréa, machin. On va pas en live, ouais. C'est lui quand ça va être, ça, Dark Ouais, il y a un concept, là. Oh, off sans caméra, sans micro. No cam, no mic, full tryhard. <laughs> les streamers lol qui font ça. <laughs> Et les streamers lol ils font exactement ça les mecs. No cam no mic, full tryhard, l'eau bpm, ayapm, road to master 300 LP. <laughs> Hey putain, mais c'est tellement les titres de tous les streamers LOL. <laughs> Gorosh Chal. <laughs> Et mec, ils sont Platine 2. Ils sont Silver 3, Gorosh go Chal. <laughs> ils font rire quand même. Pour des streams CS, LOL, RL, euh, ça alors Ouais, c'est ça. Début de saison full tryhard, objectif émeraude. <laughs>

La convention tweet j'ai même pas le droit les gars de faire ça je suis obligé d'interagir avec vous normalement donc en gros si j'interagis pas assez avec vous et qu'il y a des, des casse-couilles et ben ils peuvent euh, reporter ma chaîne je crois comme j'ai tendance à faire très attention <laughs> le de fonce ah non ce serait pas de micro hein. Des fois j'aime bien le chiller moi les gars. Tu genre bah tu vois genre ce genre de truc j'aime bien avancer seul tu vois. On s'en bat, bat tellement les couilles là, de ce qui se passe sur la fin de saison en vrai. Un son sous de borne toutes les heures pour l'interaction, t'inquiète. Ouais mais je crois qu'il y a attention. Je sais même pas si j'ai le droit, il faudrait que je regarde. D'ailleurs, il y a des nouvelles conditions d'utilisation, faudrait que j'aille voir des vidéos un peu sur ce qui se dit là, parce que j'ai un peu peur. J'ai pas lu, j'ai mis, j'ai accepté. Mais j'ai pas lu. <coughs> J'aimerais bien voir parce que chaque fois, il euh... faut faire attention quand même. Ah bah ça y est, putain Son entraîneur n'avait pas euh, changé d'avis et il restera au club. Eh bah tiens, on va voir un truc. Alors maintenant, attention, il observait. Ok, il veut bien. Déjà, il veut bien. Par contre, il va me demander forcément une machine, non Ah, vas-y, va chier. Je vais réessayer en fin de saison. Il euh, faut que je puisse passer par l'agent, en fait. Mais il n'a pas d'agent, quoi. Pourquoi je peux pas lui parler, à lui Putain, Il a plein de gars. Euh... Ils sont dans ma sélection, lui. Je veux mettre les menottes, ben non, mais je veux virer. En fait, je veux juste que la clause libératoire soit négociable, c'est tout. Après, le reste, c'est bon. Je prépare le Mercato pour les World FM. Au pire, son chien avec les clauses. Allez, je veux juste en fait pouvoir parler à l'agent pour lui dire euh, Moi, je veux bien négocier avec vous, mais par contre, il faut que les clauses soient négociables. C'est tout. J'ai tout, ce je... tout ce que je demande, donc du coup, je resserrerai dans 2-3 semaines là. Et là, c'est déjà bien parce que j'ai plus de mécontents là. À part euh, Lucas Lewis, mais bon, on s'en bat un peu les, les roues flaquettes. Faut t'avouer. Il est pas en fin de contrat lui d'ailleurs, non. On se fera de le vendre de toute façon. Même en faisant ça, des fois, elle t'envoie chier ou fou. Il ah, faut donner un peu plus de salaire. Ça dépend. Il y a des fois, oui, mais il faudra... faudra que je vois s'il veut bien ou pas quoi. devient vraiment bon aussi hein. alex t'en penses quoi de lui franchement c'est banger non et c'est un vrai monstre hein Pour la clause des peu négociables c'est un peu relou ah oui oui oui, oui mais euh, il faut négocier avec l'agent des fois pourrait beaucoup progresser A les moyens de beaucoup progresser encore on me dit quel âge il a il a 18 ans hein. caldo Quel caldo terrible te dit mon fou il y aura des clauses. ouais bah ouais mais il y a des fois il dit, y a des fois il veut bien tu vois donc euh, bon je me dis il euh, y a peut-être moyen tu vois faut passer par l'agent quoi en gros mais là, je sais pas pourquoi, j'avais pas la possibilité de passer par l'agent. Peut-être parce que la dernière fois que je lui ai demandé, c'était il n'y a pas si longtemps. Du coup, il faut que j'attende que la possibilité elle, elle revienne quoi. C'est un peu chiant. Bon, bref, euh, je vais vous laisser là, moi. Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Je sais pas chez qui. Sinon, je me connais. Je vais avancer. On va faire le mercato et puis je vais, je vais rater nos câbles de Mike. Traillard de route tout saison 6. Non, non c'est bon, arrête. Non, je vais arrêter là. Euh... Je vais vous envoyer chez Swindler. Euh... Il est en live pour une fois, je peux le raid. Il me raid tout le temps. Je vais vous envoyer chez lui. Let's go, mercato. Non, non, bah non, parce que après, j'ai envie de regarder le match aussi et tout, donc. Euh... Je vais vous laisser là, on va se retrouver demain les gars pour le mercato. Demain c'est mercato, mardi il n'y a pas de live. Donc demain c'est mercato, euh, je vous envoie chez Swindler. Merci à tous, bande de chiffres molettes, euh, d'avoir suivi le live. On se retrouve demain, des bisous et tchao, je vous tiens au courant sur Discord s'il y a des évolutions, s'il y a des events contrats pendant que je, je joue en off, etc. Je vous tiens au courant. Allez, ciao, des bisous. Bonne, 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 bon dimanche à tous.